Qu'y a-t-il? Daisy! Qu'y a-t-il au juste? Il y a des gars qui veulent tuer ton père. Ils sont en train de le battre. Ils battent mon père? Oui. Dans ce village? Viens vite, ils sont en train de le battre. Qui est cette personne? S'il te plaît, dépêche-toi. Viens. Où ça? Allons-y. Quoi? Allons, je vais te montrer. Ils veulent tuer mon père? Pourquoi? Qu'a-t-il fait? Ah, mon fils, j'ai dit que je vais payer. Si tu fermes cette boutique, comment vais-je vendre pour te payer? Papa, depuis janvier, tu vends ici, oui ou non? Hey, tu te fais de l'argent, oui ou non? Ah. À quoi me servent ces excuses? Toutes ces questions ne sont pas nécessaires. Si je vends, je vais te payer, s'il te plaît. Depuis janvier, t'as pas payé un sou. T'es... Non, fermez cette boutique. Non, ne fermez pas, s'il vous plaît. Fermez-la. Fermez quoi? Fermez-la! Non, ne fermez pas ma boutique. Non. Que se passe-t-il? Qui est-elle? Pourquoi? Qui suis-je? Attaque-la! Attaque tout le monde! Attaquez qui? Attaquez qui? Venez par là! Attaquez qui? Uche, c'est bon! Ne revenez plus! C'est bon, Uche! S'il te plaît. Ça veut dire quoi? S'il te plaît. Hein, papa? Ça suffit comme ça. Hein? S'il te plaît. C'est bon, ça suffit comme ça. Si vous revenez ici, vous verrez. Que ce soit le gouvernement ou pas. Papa, ouvre ta boutique. D'accord. Tu vois ta fille là, Uche? J'en ai assez de toutes ces bêtises qu'elle fait. Mais aujourd'hui, elle aura affaire à moi. Je l'attends qu'elle revienne. Je ne sais plus quoi dire. Moi-même, je suis fatigué. Je ne sais plus, j'ai tellement honte de moi. Juste à cause d'une fille que j'ai. Salut, maman, toi là, reviens ici. Tu vois toutes tes bêtises? Si c'est la folie, ça va finir aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le dernier jour de cette folie. Maman, qu'est-ce que je fais maintenant? Que veux-tu dire? La question est, qu'est-ce que t'as pas fait? Ça suffit, c'est bon. Calme-toi. Tu vois qu'elle est déjà très violente. Et tu sais que deux faux ne font pas un bon. Hein? Donc, laisse-la. Toi, Uche, quand arrêteras-tu de battre les gens? Papa, toi, je ne comprends pas ce que tu me dis, hein. Qui ai-je battu? Conseille maman, hein, parce que je n'aime pas sa façon de me parler. Ça ne me plaît pas. J'ai un mauvais tempérament et ça ne me plaît pas. J'aime pas prendre des conseils. Secondo, papa, je n'ai pas battu qui que ce soit. J'essayais juste de te sauver. Tais-toi! Me sauver de quoi? Et pourquoi? T'ai-je demandé de l'aide? La tigresse, la lionne de ce village! Chef brigand! Excusez-moi si j'ai mal fait. Pardon, papa et maman, ça ne se reproduira plus. Hey! Écoute, vas-y, conseille ta fille. Tu m'entends? Si jamais elle continue comme ça, je vais la renier. Oui! Mais non, c'est ma fille. Donc elle est mais non ma fille. Tu m'as bien entendu. Elle est mais non ma fille. Quand l'enfant déconne, c'est l'enfant en sa mère. C'est toi qui l'as gâtée. Voici ce qu'elle est devenue. C'est pour nous tous. N'est-ce pas? Quand il est bien, c'est pour nous tous. Mais non, c'est ma fille. Je t'ai déjà tout dit. Vas-y lui parler. Vous me faites honte tous les deux. Tous les deux, vous me faites honte. Tu prêtes l'argent sans payer. Ta fille se bat n'importe où. Thank you.
Dike. Ike. Qui est-il? Qui est qui? Sors de là. Qui appelle Ike? Ah, c'est moi. Uche, qui a-t-il? Ah, mon frère, bonjour. Tu sais pas que le combat qu'on allait commencer n'est pas fini? Uche, non, pas ce beau matin. Hey, Uche, non, pas ce beau matin. S'il te plaît. Hey, Uche, prépare-toi. Je t'en prie. Reviens. Pitié. Où est-ce que tu vas? Uche. Tu ne me connais pas. Ah. Attends, Uche. Où est-ce que tu vas? C'est quoi ton problème? Reviens ici. Reviens. T'es malade? Hey! T'en fais Uche, pas. Reviens. Je reviendrai. Reviens te battre. Je reviendrai. Ah. Elle m'a giflé mal. Hein. Ah. T'es venu m'attaquer, n'est-ce pas? D'accord, pas de problème. Pas de problème. Je t'attends. Tena, quel est ton problème, hein? T'as fait aucune tâche ménagère ce matin, mais tu manges. Ah, maman, c'est quoi encore? J'ai besoin d'énergie pour faire mes travaux dans cette maison, non? Quelle énergie? Regarde autour de toi. Regarde la cour, elle n'est pas balayée. La cuisine remplie d'assiettes sales. Il n'y a même pas une goutte d'eau dans cette maison. Quel est ton problème? D'ailleurs, qu'est-ce que tu as sur le visage? Où sont tes yeux? Ah, le style. Maman, mes yeux sont là où ils doivent être. L'eau, c'est le problème, n'est-ce pas? Je vais donc aller la chercher. C'est ce que tu Allez, veux? Allez, vas-y. J'y vais. Hey, je ne comprends rien dans tout ça. Qui a jeté un sort sur ma fille? Où t'es là? Hey! Oh, c'est quoi ça? Hey! Oui. Hey. Ha. Uche, toi encore. Uche. Pardon. Suis-je ton égal? Pardon, madame. Tanti Uche. Tanti Uche. Suis-je ton camarade? Tanti Uche. Ah, s'il te plaît. Pardonne-moi. Es-tu un homme? S'il te plaît, Tanti Uche. Es-tu un homme? Enlève-la. Retire-la. Tu veux faire quoi? Ah, tu veux t'enfuir? Ah, s'il te plaît. Pardon. Sois le bienvenu. Merci, papa. Merci. Mon mari, voilà. Oh, voici la cola. Non, c'est bon, mon papa. Mon cher, bienvenue chez moi, d'accord? Merci, maman. J'espère qu'il n'y a aucun problème. Tout va bien, maman. Vraiment? Alors, mon fils, qu'est-ce qui t'amène chez moi? Douin, je suis venu voir Outé. Je suis venu qu'on fasse la paix. Partout où elle me trouve, elle me tabasse. Elle me bat. Regardez mon visage. S'il vous plaît, aidez-moi à lui demander pardon. Non, ne fais pas ça. C'est pour cela que j'ai apporté ce coq et l'igname. Pour lui demander pardon. Qu'elle me pardonne. Donc, tu veux dire que c'est Outi qui t'a fait tout ça? Elle est même venue me battre ce matin à la maison. Hey! Elle m'a tellement tabassé. Elle m'a vraiment battu. Que ferons-nous au juste de cet enfant? Qu'allons-nous faire? Je m'envole comme un papillon. Je m'envole dans les airs. Je m'envole dans les airs. Je m'envole comme un pas. T'as ramené le combat dans la maison de mon père. Hein? Arrête ces bêtises. Hey, maman. Maman, qu'est-ce que c'est? Ta main me fait mal. Je vais te frapper encore. Hein. S'il vous plaît, maman, ne la dérangez pas. Uche, je suis pas venu me battre. Qu'es-tu venu faire? Je suis venu demander la paix. Avec ces ignames et le coq, s'il te plaît. Paix? S'il te plaît, arrête de me battre. Regarde mon visage. Rien n'a encore commencé, tu demandes déjà pardon. Gars, rentre chez toi, on se revoit demain matin. Non, s'il te plaît, ne viens plus, je t'en supplie. Arrête-toi ici. Quelqu'un te demande pardon, écoute-le. Uche, calme-toi. Ça suffit.
Elle t'a pardonné. Papa, dites-lui s'il vous plaît. Ah, ferme ta gueule. Tu oses parler ainsi à mon père, es-tu fou? Allez, va-t'en donc. Dis-moi, c'est quoi ces bêtises que t'as apportées ici? Un coq et des ignames. Hé, t'as pas apporté la boisson. Pitié, une prochaine fois. Pas de sac de riz. Aie pitié de moi, Outier. D'accord. D'accord. Va, je te pardonne et je te prie. Vrai? Outiena, qu'est-ce que c'est? Arrête maman, toutes ces choses. Ce gars, hein. Tu vois sa tête comme la noix de coco? Je suis fatiguée. Fatiguée de quoi? Je suis fatiguée. Ha! Maman, écoute. Un très grand garçon comme ça et tu le frappes. Bah, parce que c'est un idiot. Tu vas nous faire la sauce au poulet? Faisons la sauce au poulet. Ton papa le fera. Ah! Dans ce cas, je reprends mon pardon. Le combat continue demain matin. Arrête toutes ces choses, je mais c'est quoi, juste? Je m'envole comme un papillon. Hey! N'est-ce pas le doyen Tioko qui vient? Hey. Ah, cet homme en cœur, cet homme en cœur. N'est-ce pas Udena que je viens de voir? Et où est-il passé? Hein? Pas de problème. Quel que soit là où il se cache, il reviendra me retrouver dans sa maison. Qu'il veuille ou non, il me verra. Qu'il veuille ou non, il va me payer mon argent. Il viendra me voir. Je l'attendrai à la maison. Il me verra chez lui. Udena! Udena! Oh! Tu penses que je t'ai pas vu? Lorsque tu t'en fus, tu m'as vu et tu t'es caché. Je suis là. Et je ne quitterai pas ici sans que je ne te voie. Donc tu m'as vu et t'as pris la fuite. Tu penses que je t'ai pas vu avec la queue de mes yeux? Je t'ai vu. Et je ne quitterai là jusqu'à ce que tu sortes. Agaraja doit sortir. Je dis bien Agaraja doit sortir. Doyen, vous êtes là? Je suis là. Doyen, j'entends votre voix depuis l'autre côté. J'espère qu'il n'y a pas de problème. Il y a problème, hein? Un très grand problème. Où est ton idiot de mari? C'est lui que je suis venu voir. Doyen, mon mari n'est pas un idiot et il n'est pas à la maison. Oh! Donc tu essaies de me dire que je mens. Je l'ai vu et il a couru pour se cacher. Nous ne l'avons pas vu. Je sais pourquoi vous êtes là et pourquoi vous criez. C'est à cause de l'argent qu'on vous doit et nous faisons de notre possible pour vous payer. Donnez-nous juste du temps. Il ne s'enfuit pas. D'accord, maintenant je mens. Moi, doyen Joko, je mens maintenant. J'ai pas dit que vous mentez. Hein, femme, j'ai pas de temps pour tes conneries. Fais sortir ton mari. Je ne bougerai pas d'ici, hein, jusqu'à ce que tu m'amènes ton idiot de mari. Ou j'ai détruit cette maison. Doyen. Seigneur. Outiena. Arrête ça. Outiena, arrête ça. Mais qui t'a invité dans cette affaire? Votre doyen, s'il vous plaît, je suis désolé. Regardez. Outiena, reviens. Laisse-le en paix. Je reviendrai un autre jour. Cette fille est folle. Qu'est-ce que c'est au juste? Pourquoi t'as tiré mes oreilles de cette manière? T'as tout aggravé maintenant. Pourquoi l'as-tu frappé? N'étais-je pas en train de gérer? Gérer quoi? Celui qui était prêt à te battre? Hein? Il était ici traitant papa d'idiot, criant sur toi. Pourquoi? Est-il fou? C'est parce qu'on lui doit de l'argent, hein? Mais pourquoi est-ce que vous lui devez? N'est-ce pas une dette? Que celui qui n'a jamais eu de dette nous jette la première pierre. Outie a fait quoi? Cet enfant m'a tué. Outie, tu m'as mis dans un grand problème. Mon mari, fallait voir ce que ta fille a fait. Elle a failli être embêtée. Cet homme voulait détruire cette maison. Tu vas la fermer. Alors je lui ai fait changer d'idée. Ferme-la. Je l'ai corrigé, papa. Ferme ta gueule. Tu vois ta fille. Sais-tu la gravité de ce que t'as fait?
Cette fille lui a même enlevé son chapeau. Chapeau rouge. Pour le frapper. Il voulait démolir la maison. Je lui ai dit, tu ne peux pas démolir la maison. Tais-toi, Uche. Pensais-tu qu'il voulait vraiment détruire la maison? C'est ce que tu as cru? Dis-le lui, hein. Ah, il disait tout cela en parabole. Uche. Uche, où est ton cœur? Moi, je ne veux pas rester sans abri, hein. Tout le temps, vous soutenez l'ennemi, je ne comprends pas. Il ne peut pas traiter mon père dans moins que rien et je vais croiser les bras, le regarder sans rien faire. Je ne suis pas aussi patiente. Eh, Oriako, faut que j'aille au village voisin. Je dois aller parler au doyen, chef Njoko. Allons-y, allons-y. Hein? Allez avec moi pour quoi faire? Pour finir ce que t'as commencé, c'est ça? Hein? Tu veux aller le tuer et m'attirer des ennuis, n'est-ce pas? Mon mari, s'il te plaît. Si je te vois m'approcher quelque part, je vais te casser la tête avec ça. Ha! Cher mari, s'il te plaît, va voir cet homme avant que ça ne soit trop tard. Vas-y. Bêtise. On se plaint du premier, tu veux encore en faire. Ha! Quel est ton problème? Papa, c'est parce que t'es mon père, hein. Là-bas, tu te taires. Quel est ton problème? Père biologique. Hein? Maman, qui supportes-tu? T'es pas dans mon équipe. Je vous défends et toi, tu supportes l'ennemi. C'est bon. Ah. Quel genre d'enfant est celle-ci? Oh, je m'envole comme un papillon. Je m'envole comme un papillon. Bera, 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 bari, bera. Je m'envole dans les airs. Je m'envole comme un papillon. Je m'envole comme un papillon. Je m'envole comme un papillon. Regarde-la. La fille la plus cinglée de ce village. Chut. Regarde-la. Hey, tu veux qu'elle t'entende? Hein? Écoute, je ne veux pas rentrer dans une bagarre cet après-midi, hein. Amaka, t'en fais pas, elle nous entendra pas. Ne vois-tu pas qu'elle a les écouteurs dans les oreilles? Oui, c'est vrai, hein. Mm. Sais-tu que cette fille, Uche, est la fille la plus bonne à rien dans ce village? Hey, ma chère sœur, je suis sûre qu'actuellement ses parents regrettent de l'avoir mis au monde. Ifi, si c'était toi, ne vas-tu pas regretter? C'est soit elle cause des ennuis ou se balade dans les rues en train de se battre. Se battre, c'est son travail quotidien. C'est pourquoi j'ai pitié de l'homme qui finira par la prendre comme épouse. Toi, tu parles d'époux. Laisse-moi te demander, si t'étais un homme, accepterais-tu d'aller avec une telle femme? Que Dieu m'en épargne. Je veux pas mourir jeune. Oh, qu'est-ce qui va me pousser? C'est comme si on ne la regarde pas. Que Dieu m'en épargne. Je vais dire à ma mère que... Oh, je dis... Tu es malade? Quel est ton problème? Vous pensez que je suis folle? Écoute, je ne suis pas ces gentilles que tu bats dans ce village, hein. Il faut que tu te respectes, hein. Poursuivons notre chemin, on verra ce qu'elle peut faire. Passez. Allons-y. Êtes-vous malade? Êtes-vous malade? Qui vous a dit de dire des bêtises sur moi? Toc, 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 toc. Qui est là? Ah. Udena. Doyen Njoko. Que fais-tu ici? Laisse-moi te dire, si t'es venu ici pour me supplier de l'argent que tu me dois, oublie-le. Retourne dans ta maison. Je dis bien retourne dans ta maison. Doyen Njoko. Oui. Pardon.
S'il te plaît, calme-toi. Hein? Cet argent dont il est question n'est pas une petite somme. Hein? C'est pas un petit montant. Cet argent dont nous parlons s'est tellement accumulé au point où je n'en peux plus du tout. Là où je me tiens ici. Doyen Djoko, donne-moi juste un petit temps. Un petit temps, je le paierai. Je suis content que je te dois, mais la dette ne doit pas nous diviser. Je te paierai. Je vais te payer, hein? Juste calme-toi. Pardon, hein? S'il te plaît, reçois mes pardons, hein? C'est ce qui m'amène chez toi. Je te demande pardon. Il est fou ou quoi? Donc, il doit de l'argent à mon père. Qu'est-ce que j'ai entendu qu'il te doit de l'argent? Paie l'argent de mon père. Aleka, dans ta chambre. Je dis dans ta chambre. Moi, je veux prendre l'argent de mon père. Je te l'ai pas demandé. Va dans ta chambre. Papa. Moi, je dis, va dans ta chambre. J'ai besoin de cet argent pour boire. Hein. Va à l'intérieur. Hein? Je dis, va dans ta chambre. Ceux qui ont de l'argent pleurent. Ceux qui n'en ont pas aussi pleurent. Doyen Djoko, pardon. Oudena, est-ce que tu t'entends parler? Je n'ai plus de patience pour toi. Rentre chez toi. Pardon. Rentre chez Encore toi. Encore un peu de temps. Vas-y. Pardon. Mon mari, que fais-tu seul ici dehors? Je pense au sujet de notre fille Uche. Ah! Écoute. Tu vois, elle est devenue adulte. Elle n'est plus une petite fille. Mon mari, si tu fais référence au mariage, aucun homme, avec ses bons sens, n'ouvrira pas grandement ses yeux et épouser notre fille Uche, celle qui frappe les gens partout. C'est un sacré problème, hein? Tu vois, je réfléchis à un truc. Chérie, tu réfléchis à quoi? Et si nous essayons de la changer contre notre dette? Tu veux dire la donner en mariage dans la famille de chef Njoku? Comment tu vois cela? Ah! Chérie, s'il te plaît, dis autre chose, hein, parce que même si tu leur donnes un cadeau, ils ne le prendront pas. Pensons à autre chose, s'il te plaît. As-tu vu son fils? Hein? Ce garçon n'est pas bien. Oh oh! Il est mentalement instable. Oui. Le fils de Monsieur Njoko? Ah! Mais le chef Njoko est un homme riche. Alors, de quoi le fils d'un tel homme souffrirait-il? Quoi d'autre? Ça pourrait être les péchés de son père. Ah ah! Le chef Njoko est un pécheur? Eh bien, est-ce que je peux tout connaître? Hein? Hey. Cela me dépasse, hein? Sincèrement. Sincèrement. Uchenna, qu'est-ce que c'est? Quel est ton problème? Maman, pourquoi frappes-tu mes fils de la sorte? Pourquoi fais-tu cela? Ne sais-tu pas que t'es une fille? Et si je suis une fille? Regarde ce que tu fais. Après avoir soulevé tous ces poids, tu iras utiliser cette force pour battre des gens. N'est-ce pas eux qui me provoquent tout le temps? Uchenna, arrête ça. Je te parle et tu continues par le soulever. Dépose-le. Ne veux-tu pas te marier? Ah, maman, le temps de Dieu est le meilleur. Uchenna, arrête ça. C'est pourquoi tout le monde te traite de tous les noms. Ils disent que Uchenna va tuer son mari. Uchenna va tuer sa belle famille. Uchenna va tuer le village entier. C'est ce qu'ils disent? Maman, qui l'a dit?
qui... Et voilà, regarde maintenant. Tu vas aller te battre. C'est ce que je suis en train de dire. Ouvre tes nas, s'il te plaît. Essaie de te calmer. Je veux aussi porter mes petits-enfants. D'accord, tu auras tes petits-enfants. Mais maman, qui l'a dit? Je te dirai pas qui l'a dit, mais laisse-moi te poser cette question. Si t'étais un homme, épouseras-tu une fille comme toi? Ah ah. Bah oui. J'épouserai 10 de moi en plus des copines. Ah. Tu vois, Outina, allons à l'intérieur. Viens, allons-y. Maman, donc si t'es un homme, tu ne m'épouseras pas. Tu causes trop d'ennuis. Tu veux me tuer? Ah, maman. Maman, tu ne pries pas pour moi. C'est pas gentil de ta part. Oh, Ryako, la mort du doyen Oudé. Ma femme à moi, ouré. Hé, hey, mon mari. Hey. Chérie, me voici. Ah, ah. Hey. Chérie. Oui. Je vois que tu es très heureux. Et tu danses aussi. Ça s'est produit. Que s'est-il passé? Bonne nouvelle. J'ai notre date a été annulée. Chérie, ce doyen Doko, cet homme que je connais, il ne peut pas oublier cette dette juste comme ça. Cet homme est dur. Hein? Tu ne me crois toujours pas, c'est ça? Je le connais. Regarde, laisse-moi te dire, écoute, je lui ai supplié de prendre... Ah ah, prendre quoi? De prendre notre fille et annuler la dette. Non, hein? Chérie, ne dis pas ça. Personne ne prendra ma fille, même pas. Laisse-moi finir d'abord. Ah, écoute. Notre fille épousera son fils unique. Ah ah, le fils unique. Ouais. Chérie, est-ce vrai? Ah ah, écoute, c'est bien ça qui me fait danser. Ah ah. Nous faisons d'une pierre deux coups. Je remercie Dieu. Hein. Ouais, ouais. Mais tu m'as dit l'autre fois que ce gars n'est pas aussi bien. Écoute, il n'est pas si mauvais que notre fille. Toi et moi savons que le cas de notre fille est grave. Mais pouvons-nous la rejeter? Non. Écoute, c'est un homme. Et le fils d'un homme très riche. Au moins, rendons grâce à Dieu, hein? Oh Dieu, je te remercie. Hein? Donc ouais. Finalement, ma fille a problème. Quelqu'un la trouve acceptable. Hein? Je ne peux pas croire à ça. Hein? Tu vois le jour là, mon guélé. Tout le monde en parlera. Tu attends ce jour. Je vais moi-même te dire à l'attacher. Je te dis, hein. Je vais te. Oh, oh, oh. Aleka. Je t'ai fait venir ici. Cette nuit. Pour te dire que. Finalement. J'ai trouvé une épouse pour toi. Une femme qui t'ira bien. T'as toujours dit que tu désires avoir une femme. Hein, finalement, j'en ai trouvé pour toi. Papa, cette femme que tu m'as trouvée, j'espère que tu connais mon genre. Hein? Il ne s'agit pas d'aller trouver n'importe qui. J'espère que c'est pas une fille errante. Jamais, jamais, l'un de là. Parce que moi, je ne suis pas prêt pour ce genre de fille. Hein? Si tu vois celle-ci, tu vas l'apprécier. Je vais l'apprécier. Oui, je veux dire... Elle est bien en forme, costaud. Hey, si tu la vois. Donc tel père, tel fils. Hein? Hey, tu comprends. Et puis, secondo, nous irons chez elle pour payer sa dot demain matin. Oh, attends, qu'est-ce que tu dis demain ou demain? Demain matin. J'ai déjà informé les anciens qui vont m'accompagner. Tous mes amis et des cousins. Donc, demain. Ah, papa, demain c'est pas trop tôt, tu viens de m'informer. Hein. Dans quelques heures c'est demain et tu veux que je... N'est-ce pas toi qui me disais que tu veux une femme? Quoi, papa, je veux une femme, là. As-tu oublié? D'accord, donc demain... Alors, je suis demain. D'accord pour demain. Demain matin, prépare-toi, on ira chercher ta femme. Est-elle de notre localité? Tu sauras tout demain. Je ne comprends même pas ce qui se passe. Chérie. Qui a-t-il? Chérie, qu'est-ce que ça signifie? Hein? C'est arrivé à ce point où tu réduis notre unique enfant à ça?
Chérie, ton supposé beau-fils a été trouvé dans un égout après avoir bu à mort hier soir à la place publique du marché. Cette femme, qu'es-tu allé faire là? Que cherchais-tu là-bas? C'est tout ce que t'as à dire. Qu'y a-t-il de mal si je vérifie les antécédents d'une personne qui veut épouser ma fille? Laisse-moi te dire, ce soulard n'épousera pas ma fille. Tais-toi. Il ne l'épousera pas. Quel est ton problème? Avant tout, ta fille est-elle mariable? Hein? Est-ce qu'elle est mariable? Ou as-tu oublié celle qu'on a comme fille? Hein? Avec toute cette dette qui pèse sur nos têtes partout. Arrête-moi ça, hein? Arrête-moi ça. Quel est ton problème? Ne gâche pas mes plans, hein? M'as-tu compris? Ne gâche pas mes plans. Sinon, c'est toi qui paieras ces dettes. Donc, ça concerne la dette. Donc, ça concerne maintenant la dette, hein? Allez, rentre. Va à l'intérieur. Moi, je t'ai déjà dit, ce soulard n'épousera pas ma fille. Il ne l'épousera pas. Jamais. Les femmes avec des problèmes. Hein? Voyons voir comment tu vas l'empêcher. Ma fille, je t'ai appelé ici pour t'informer du nouveau développement. Quel développement? Le doyen Joko et son fils. Ils viendront ici payer ta dot demain matin. Payer ma dot demain matin. Et c'est maintenant que vous m'informez. Tu vois, tu l'aimeras. C'est un bon gars. Aide-moi à lui expliquer ou bien. Laisse-moi tranquille. Hein. Si elle ne veut pas se marier, laisse-la. Papa, que se passe-t-il? Ma fille, tu l'aimeras. Tu vois, son père est un homme très riche. Il a beaucoup de biens, même les terrains. Il fait des affaires telles que, tu vois, telles qu'une banque, tu vois. Il est riche. Papa, suis-je en train de marier le père ou son fils? En fait, tu vas épouser le fils. Alors, parle-moi plutôt du fils en question. Qui est-il? Que fait-il? Tu vois... Pourquoi veux-tu que je l'épouse? Pourquoi c'est maintenant que je suis informée que quelqu'un veut payer ma dot demain? Maman, qu'est-ce qui est? Tel que je l'ai dit, c'est un bon gars. Tu l'aimeras. Maman, qu'est-ce qui ne va pas? J'ai rien à dire. Tu ne regretteras pas. Tu l'aimeras. Problème. Avez-vous chargé la voiture avec des ignames et tout ce qu'il faut? Oui, tout, oui, monsieur. Absolument tout. D'accord. Où est Aleka? Je pense qu'il est à l'intérieur. Non, je l'ai senti derrière. Aleka. Aleka, Aleka, ton père t'appelle. Aleka, qu'est-il arrivé à ce que contient ce bidon? Où est passé le vin qui s'y trouve? Quoi? Laisse ça. Donne-moi mon bidon. Emeka, s'il te plaît, donne-lui de l'argent pour qu'il aille acheter un autre. Et toi, si je t'attrape maintenant, Dieu Tout-Puissant. Vite. Allons-y, Ada, va de l'autre côté. Aide-le à rentrer. Aleka, monte dans la voiture. Monte dans la voiture. C'est bon, mets-le dedans. Voilà.
Allez, Ka. C'est bon. On est là. Descends. Eh ben, descends. Nous y sommes. Allez, Ka. Descends, nous y sommes. Meka, s'il te plaît, viens l'aider à descendre. Meka, va appeler les jeunes pour qu'ils viennent t'aider à le porter. Appelle-les. Ah, ma chère, je suis ici. Les gars, venez. Venez le prendre. J'espère que vous êtes là. Oui. Par ici. Oui. Par là. Oui. Oh. Bienvenue, la belle famille. Oui, merci. Papa, ce truc me surchauffe la tête. Je veux l'enlever. Chut. Je lui ai bien dit que je veux pas la mettre, hein. Je veux... Maman, pourquoi... Hé. Maman, il a léché mon oreille. Qui l'a fait venir ici, celui-ci? Es-tu fou? Uche, c'est le ton mari. Il m'a léché l'oreille. Uche, s'il te plaît, aujourd'hui, c'est ton jour de mariage. Je vais te gifler. Doucement. Qu'est-ce que ça veut dire? Doucement, s'il te plaît. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi? Qui est-il? Il m'a léché l'oreille. Papa, qui est cet idiot? C'est bon. D'où sort-il? C'est bon. Attrapez-le. Doucement. Reculez. Boutier, Boutier, calme-toi. Reculez. Boutier, calme-toi. Laissez-moi lui montrer qui je suis. Oh, c'est quoi cette bêtise? Qui l'a invité à cette dot? Boutier, ça va. Papa, je t'en supplie. Peux-tu l'imaginer? Ne fais pas ça. Boutier, s'il te plaît. Uche, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Quel est ton problème? Comment peux-tu te battre le jour de ton mariage? Veux-tu que notre belle famille nous rejette? Papa, qu'est-ce que tu dis? Ce soulard est venu me lécher l'oreille et vous... Chut. Uche, baisse ta voix. C'est de ton mari que tu parles. Oui. Mon mari. Celui-là est mon mari. Pourquoi? Comment? Uche, as-tu une meilleure option? Uche, je te demande. Tu devrais être contente que celui-ci accepte de t'épouser. Ah, Uche, il vaut mieux te ressaisir. Parce que cette maison ne peut plus nous contenir tous. Hein. Suis-je aussi mauvaise? Uche, t'es mauvaise, hein? T'es tellement mauvaise. Honnêtement, tu devrais célébrer que ceux-ci t'ont accepté. Comment peux-tu te battre avec ton mari devant la belle famille? Comment? Regarde, écoute-moi très bien. Je te le répète que si cette opportunité t'échappe, cette maison ne peut plus nous contenir, hein? Et tu ne reviendras plus ici, hein? Je t'ai déjà tout dit. N'importe quoi.
La belle famille. Désolé. Désolé pour le petit désagrément. Ce n'était qu'une petite malentendue. Notre beau-père. Laisse ça. Laisse ça. Faites attention. Ça veut dire quoi? Méfie-toi, hein. Désolé, hein. D'accord. Il n'y a aucun problème. Dépêchons-nous et finissons ceci rapidement pour qu'on puisse rentrer. Et où est notre épouse, si je me le demande? Doyen Joko, calme-toi. Votre épouse est là. Oriako, s'il te plaît, va et amène notre fille pour qu'elle nous montre son mari. S'il te plaît. Je vous en prie, faites comme chez vous. Il y a assez de boissons, assez de cola, assez de nourriture, n'est-ce pas mes frères? Oui. Voilà, oui, donc nous sommes prêts. Donc, je vous en prie, mettez-vous bien à l'aise. Aujourd'hui, c'est notre jour. Célébrez avec nous, hein? D'accord. Aleka. Aleka. Aleka, reste tranquille, s'il te plaît. Reste tranquille. Reste tranquille. Hey. Notre fille, tu vas nous montrer ton mari avec Dieu céleste. Qui a vidé cette boisson? La boisson est finie. Qui a bu cette boisson? Qui a vidé cette boisson? Sacrilège. Y a-t-il une autre quelque... Notre beau-père. Il y en a un peu ici. Allez, laisse ça. Quel est ton problème? Merci. T'as fini l'autre et tu veux encore finir ça. Quel est ton problème? Ma fille, je te donne cette boisson. Tu sais, aujourd'hui c'est ton jour, donc tu le prendras pour aller. Ira nous montrer ton adorable mari. La fille de sa mère. Attrapez-le, s'il vous plaît. Attrapez-le. Laissez-moi. Qu'est-ce que c'est? Laissez-moi. Arrêtez. Je vais vous montrer. Papa, arrête, laisse-moi. Arrête. Papa. Arrête, s'il te plaît. Papa, cite-moi la place. S'il te plaît. Je vais détruire cet homme. S'il te plaît. C'est quoi? Regarde ça, papa. C'est pour ça que maman pleure, hein. C'est pour cela, je comprends. Je le sais. C'est quoi cette bêtise? C'est bon. Ça veut dire quoi? C'est bon, ça suffit. Papa, laisse-moi, papa, laisse-moi. Laissez-moi. Ouche. Oh non. Ça veut dire quoi? Arrêtez ça, s'il vous plaît. Arrêtez. Calmez-vous. Arrêtez ça, s'il vous plaît. Calme-toi. Merci pour cette journée, hein. C'est la moindre des choses. Tout s'est bien passé comme prévu. Fallait voir comment j'ai pu la convaincre. Ouais, je sais que ça serait pas facile. Ma fille Ouche. Maman, tu sais, c'est plutôt lui qu'il faut conseiller. Parce que si je lui donne un vrai coup de poing, il va mourir. Conseillez-le sur sa manière de faire. Comment peut-il venir lécher mon oreille sans même me connaître? Tu mets ta langue dans mon oreille. Ouche, s'il te plaît, ne te fâche pas à cause de ça. Pouvez-vous l'imaginer? Ouche, s'il te plaît, calme-toi. Pitié. Papa, tu... Je t'ai dit de ne pas amener mon sac. Doucement, ça va aller. Je reviens. Tu ne peux pas revenir aussitôt que tu le passes. Ouche, tu ne peux pas revenir comme ça. Pardon. Mon frère,
tout est déjà fait. Hein? Je te dis merci. Ce qui reste à faire maintenant, c'est cette visite d'après 9 mois. Tu vois? C'est ça. C'est ça. Je suis heureux. Tu seras ma femme. Tu seras ma femme. Tu seras ma femme. Tu veux quoi, t'as mis notre unique. Allez, calme. Ifani. T'as compris. Venez ici. Quelque chose de venez ici. Attrapez-le. Viens ici. Viens ici. Viens ici. Ma fille, s'il te plaît, viens, on va partir. Ah, papa. Viens, on va laisse-moi. Partir. Laisse-moi en paix. Allons-y. Papa, laisse-moi tranquille. C'est bon, allons. C'est bon, allons. Laisse-moi. Peux-tu imaginer belle famille. On se retrouve après. Imaginez. Allons, allons. Mettez-le dans le capot. Oh, oh non. Que dis-tu? Pas quand même dans le capot. Oh, tais-toi, ferme ta gueule. Maman. Hey. Hey. Je te préviens, si quelque chose arrive à ma fille, tu verras. Oh, ça a été une journée bien réussie. Qui es-tu? Es-tu cinglé? Qui est qui? Enlève ta tête sur moi. Penche-toi de l'autre côté. Papa, n'est-ce pas la femme que je... Assez. Tu veux... Tu me provoques encore? Arrêtez, c'est comme cela que vous allez vous marier. Arrêtez. Qu'est-ce que tu as? C'est bon, arrêtez. Es-tu fou? C'est bon, arrêtez, arrêtez. Es-tu fou? Ça va, hein? C'est bon. C'est bon. Je vais te tuer dans cette voiture. Ça va, ça va. Outier, ça va. Allez, Ka. Outier, ça va. Ça va. C'est bon, c'est bon. Mais arrêtez de vous battre. Oh, qui a-t-il au juste? Arrêtez ça. Arrêtez ça. Fini les combats. Vous n'êtes plus des petits-enfants. Arrêtez de vous battre. Vous êtes tous adultes. Vous êtes mariés. Mecca, ça a été une journée bien réussie. N'importe comment. Merci. Dans ce village. Merci à vous. Vas-y demander d'après moi. Allez, sors. Sors de cette voiture. Allez, tu penses que quoi? Soulard. Attendez. Allez, séparez-les. Allez les séparer. Tu veux épouser qui? Papa. Je suis ici. Tu veux épouser qui? Je suis ici. Quelle bêtise! Hein? Il n'a qu'à venir. C'est bon, ça va. Papa. Ça va. Papa. Allez, calme-toi. C'est bon, va là-bas. Il n'a aucun respect pour moi. Ça va. Quel est c'est le quoi? Problème? Tu n'as quel pas de respect. Papa, laisse-moi tranquille. Ça va. Papa. Calme-toi. D'accord. Calme-toi. Je suis calme. S'il te plaît, calme-toi. Je suis calme. Calme-toi. Je suis calme. Tu es qui? Viens. Tu es qui? S'il te plaît, viens. Tu es qui? Uche, Uche, s'il te plaît, calme-toi. Uche. Tu es qui? Ne veux-tu pas m'écouter? Regardez-moi ça. Hein? Calme-toi. Papa, laisse-moi. S'il te plaît, ça va. Papa, s'il te plaît, il va me s'il sentir. Plaît, ça va. Arrête-moi ça. Qu'est-ce que quelle c'est? Quelle bêtise. Oh, coco, aucun gars si ouais dit. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a au juste? C'est bon. C'est bon. Compris. Allez, rentre. D'accord. Rentre et va d'accord. te reposer. Je vais te montrer qui je suis. Ouvrez ça! Ouvrez!
Jésus. Es-tu fou? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Faisons ça. Je suis sûre que t'es fou. Faisons la chose. Alika, l'as-tu vu par le nez? Tu veux me toucher dans cet état d'ivresse? On dirait que t'es fou. Mon père n'a-t-il pas payé pour ça? Payé pour quoi? Mon père a tout payé. La maison. On avait apporté un bassin. On avait apporté beaucoup de bassins, donc ils ont me donné la chaussette nuit. Alika, si ta main me touche au nom de Dieu, je vais cogner ta tête contre ce mur. Tu ne feras rien. Essaye juste. Penses-tu que ce que tu as fait? Essaye. Recouche-toi. Que je me couche, qu'on fasse quoi? Personne va dormir. Donc si je me couche, tu viendras faire. Alika, tu ne me toucheras jamais dans cet état d'ivresse. Tu me comprends? Pourquoi? Tu devrais être sobre pendant au moins 10 jours. Avant que je ne puisse te considérer. Arrête de dire ça. Pour qui te prends-tu? Pour qui je me prends? Personne ne voudra te prendre, hein, tel que tu es. Moi, je sais juste de t'aider. Aide-toi toi-même. Je sais juste de t'aider. Je te dis que tu dois Alika, me donner si, ça. Si tu me touches encore. Si tu veux dormir en paix, il vaut mieux que tu ouvres ça. Ouvre ça, je vais rentrer dedans. Si, si, touche-moi. Touche-moi, t'es ivre, n'est-ce pas? Touche-moi. N'importe quoi. Je me repose. Je vais revenir pour toi. Si je me réveille, c'est là que je vais te détruire. Qui est-ce? Qui est-ce? Oriako. Mon mari. Pourquoi es-tu de cette manière? Qu'est-ce qui te perturbe? Chérie, je m'inquiète pour ma fille. Je ne fais que penser à elle. Je ne sais pas comment elle s'en sort. Est-ce bien toi qui dis ça? Tu devrais plutôt t'en faire pour notre beau-fils et comment il s'en sortira avec notre fille. Hein? Tu sais que notre fille est dangereuse. Chérie, arrête ce que tu es en train de dire. Ce fils de chef Indioko est presque un aliéné. Hein? Notre beau-fils est un cinglé. N'as-tu pas vu comment il s'est déshonoré aujourd'hui? Alors, qu'en est-il de notre fille? Hein? N'as-tu pas vu comment elle s'est battue depuis le début de la cérémonie jusqu'à la fin? Hein? Je pense qu'ils sont tous les deux égaux, hein? Oui. Moi, je préfère ma fille, hein. Je préfère ma fille telle qu'elle est. La manière dont tu préfères ta fille, c'est de cette même manière que le doyen Joko préférera son fils aussi. Mais je sais que ça va aller. Oui, ils s'en sortiront. Moi, je ne suis pas d'accord. Je ne soutiens pas ce genre de mariage. Je ne suis pas d'accord. Hey, les femmes. Au lieu de prier que Dieu nous donne des petits-enfants, hein, pour que tu puisses aller les rendre visite, et ici à te plaindre. Pourquoi ferais-je cette prière? J'ai été clair avec toi, je suis pas d'accord. Écoute, quel genre de mariage? Quelqu'un passe son temps à tomber dans des égouts tout le temps. Je t'ai prévenu, si tu ne veux pas y aller, moi je le suis, hein. D'ailleurs, tout ce que la femme peut faire, tu sais, l'homme peut en faire plus, hein. N'importe quoi. Papa.
Où vas-tu? Papa, je retourne chez ma famille, oui. Je ne veux plus de ce mariage. Je n'en veux plus. Je veux plus épouser ton fils. J'en ai marre. Je ne veux plus rester mariée à Ansula. J'en ai marre. Moi aussi, j'en ai marre, papa. Laisse-la partir. Es-tu fou? Ma soeur, dégage ici. Je vais te tuer. C'est moi qui vais te tuer dans cette vie. C'est moi qui te tuerai. Regardez ce que quelqu'un a mis au monde. Ma soeur, Uche. Si tu oses, avant que je ne m'en aille, je vais finir avec tu toi. Tu ne feras rien. Tu ne feras rien. Uche. Prends ton sac et retourne chez tes parents. Espèce de soulard. Tu ne peux pas retourner chez tes parents. Pourquoi pas? Parce que ta dot a été payée. Ta place est maintenant ici. Papa, je leur ai dit de ne pas apporter ce sac. Je ne sais pas pourquoi ils l'ont apporté. Retourne vers mon père et va prendre la dot que t'as payée. Parce que je n'épouserai pas un soulard. Ouais, ouais, elle a soulevé un point. Allons-y reprendre l'argent. Ça peut aider à payer une bouteille de synapse. Aleka, tais-toi. Allons réclamer. Aleka, tais-toi. Regardez-moi ça. Prends ce sac de sacrifice Satan. Ma fille. Papa. Tu dis que tu veux partir. Oui, papa. Il n'y a pas de problème. Si c'est ta décision. Mais dis à ton père que je viendrai réclamer mon argent qu'il me doit depuis des années, qui se chiffre en millions. 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 Qu'est-ce que papa a fait avec des millions? Va poser cette question à ton père. Toi, tu la fermes. Arrêtez ça. Tu vois, papa, je vais tuer ce soulard. Ou soit c'est moi que tu veux que j'aille chez ton père. Idiot. Ton père doit aux gens. Si tu mentionnes encore le nom de mon père. Hey. Oh, t'as pas entendu? Entendu quoi? Hey, ma chère. Le doyen Oudé et sa famille. Oui. Tu connais leur fille, la bagarreuse. J'ai entendu que quelqu'un est venu l'emballer pour épouse. Elle a été échangée contre une dette de longue date. Hein? Raconte-moi. Je te dis. Es-tu sérieuse? Ce jeune homme va souffrir, hein? Il va souffrir. Ma chère, on m'a dit que même le jour de leur mariage. Au lieu du mariage. Hey! C'est depuis là, la bagarre a commencé. Qu'est-ce que j'entends? Toi là. Oui. On dirait que tu ne sais rien de ce qui se passe dans ce village. Je ne suis au courant de rien. Hé, ma chère, laisse-moi te choquer. Sais-tu à qui elle s'est mariée? Non. On dit que c'est ce soulard. Un soulard. Que son père a beaucoup d'argent. Oh, d'accord. J'ai entendu dire qu'il a fini tous les bidons de vin de palme prévus pour les cérémonies tout seul. Hein? Je m'en vais. Tu parles trop. Tu parles trop. Hein? Quel est ton problème? Est-ce que je m'adresse à toi? Ne puis-je pas parler? Es-tu malade? Pourquoi peux-tu m'interdire de parler? Moi, malade? Oui. Es-tu folle? C'est ton mari. Ton vaurien de mari. Qui sort avec les petites filles de ce village qui est malade. Comment oses-tu dénigrer mon beau-fils? Qu'est-ce que j'ai dit de mal? Qu'est-ce que j'ai dit de mal? Est-ce que je mens? Ton beau-fils n'est-il pas un soulard? Tu continues pas à parler. Tu continues pas à parler. Tu continues pas à parler. Pourquoi ne vais-je pas parler? Ton beau-fils n'est-il pas un soulard? Quelqu'un qui finit toute la boisson prévue pour son mariage n'est-il pas un soulard? Si ça te fait mal, va enseigner les bonnes manières à ta fille pour qu'elle ne soit plus échangée contre une dette de longue date dans sa prochaine vie. Famille folle. Ah bon? Rien que es-tu sérieuse? Que j'aille enseigner les bonnes manières à ma fille afin qu'elle soit... Va l'éduquer. Il n'y a pas de problème, hein? Vas-y, j'irai bien l'éduquer. Mais avant ça, je dois te donner une correction. Je vais t'apprendre à ne pas mettre ta bouche dans ce qui ne te concerne pas, hein? Je vais te duquer, hein? Et où est cette fille? Uche? Uche? Je vais à une réunion. D'accord. Donc j'aimerais que tu prennes cet argent. Achète du poulet. D'accord. Et cuisine une délicieuse soupe du village que nous allons manger avec de l'igname pilé. D'accord, papa. Ce sera prêt avant ton retour. D'accord. D'accord. C'est bien. C'est bon. À plus. Au revoir. Je suis sûre que j'ai caché l'argent dans ce sac. Ou bien... Qu'est-ce que c'est? J'ai plus touché ce sac. Comment l'argent peut disparaître comme ça? Hein?
bien... Alika! 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 Ouche! Papa! Qu'y a-t-il encore? Papa, peux-tu l'imaginer? Qu'est-ce que c'est? Alika a volé l'argent que j'ai mis dans ma chambre. Ton fils a volé mon argent, je ne peux pas tolérer cela. Si jamais je ne retrouve pas mon argent, le sang d'Alika va couler. De quel argent s'agit-il? L'argent avec lequel je devais faire la cuisine. Ah! Hein? Quel genre de bêtise est-ce que c'est? Alika! Oui? Où est l'argent? Où est l'argent? Où est l'argent? Je te dois. Je vais te gifler. Papa, imagine, qu'est-ce que là? Tu vois ce qu'elle me fait? Tu veux que je te donne quel argent? Papa, c'est toi que je respecte. Laisse-moi. C'est toi que je respecte. Quel argent? Laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille. Papa, tu ça veut dire quoi? Es-tu contrôleur de la douane? Allez, donne-moi cet argent. Regardez, es-tu fou? Si tu oses encore toucher mon argent, vaut rien de sous-là. Donne-moi cet argent. Regarde ce que tu as mis au monde. Donne-moi cet argent. Viens le prendre. Papa, est-ce que tu vois? C'est toi que je respecte. Je sais. Si c'est pas toi, j'allais tuer quelqu'un. Oui, calme-toi. Et je vais l'enterrer ici. Calme-toi. Là, juste. Je l'enterre là. Oui, je sais, mais... On ne l'a pas épousée pour l'enterrer. Que veux-tu dire par là? T'as vu comment elle me maltraitait ici, n'est-ce pas? C'est bon, elle doit nous donner ce qu'on veut d'abord. C'est bon, calme-toi. Me calmer pourquoi? Laisse tomber. Papa, je suis pas d'accord. Hein? Je sais. Je suis pas d'accord. C'est toi que je considère, je n'aime pas ça. Pourquoi a-t-elle pris l'argent? N'est-ce pas toi qui lui a donné? Eh bien, c'était pour cuisiner. Cuisiner? La nourriture pour tout le monde dans la maison, en fait. Allez, calme-toi. Comment se croit-elle permis avec ton argent? Tout compte fait, donne-moi de l'argent. Donne-moi quelque chose, je vais aller revenir. J'ai quelque chose de très important à faire. Je ne suis pas revenu avec de l'argent. Je viens juste d'une réunion. Regarde-moi. Fouille. Papa, moi je n'ai pas d'argent. Ça. Pourquoi je te demande de l'argent? Tu ne me donnes pas. Mais si c'est elle, tu le donnes. C'est pas bien. C'est bon. C'est bon. Qu'est-ce qui est bon? Mais où est l'argent? Papa. Laisse-moi me reposer. Oh mon Dieu, je t'avais prévenu. Je ne voulais pas épouser cette fille. Dieu, j'étais sur le point de sortir. Hein? Si t'as pu me soutirer l'argent, donc tu pourras payer des dettes. Je pense que tu le sais. D'accord, on verra bien. Fille stupide. Eh bien, je m'en vais. Hey, mon gars, t'es bourré. Alika, que se passe-t-il ici? Où est mon argent? Ton argent. Si quelque chose arrive ici, maintenant sera moi, donc je veux partir. Dans la maison de mon père, de l'autre côté, là-bas. Je ne te demande pas où est-ce que tu vas. Je dis où est mon argent? C'est tout ce que je demande. Ton argent. Je te dois. Arrête-toi là. Tu me dois quoi? Écoute bien les dernières nouvelles. Je suis à l'écoute. T'es sûr que t'es à l'écoute? Oui. Moi, mon père, mon père, pas ton père, pas ton père, mon propre père, a pris l'argent pour payer le poulet. En quoi ça me concerne? Donne-moi mon argent, tu me dis que ton père a payé du poulet avec. En quoi ça me concerne? C'est parce que tout le monde mange du poulet, d'accord? Et parle-moi avec respect, parce que tel que tu me vois... Je suis un homme marié, j'ai une femme à la maison. Et puis après? Donc ça veut dire que je te paie après. Reviens ici. C'est pour des rivières que t'as ici. Viens. Donne-moi mon argent. Sache que je suis un homme marié. Si ma femme te voit, elle sera fâchée. Attends, celle-là est une épouse? Hein? Celle-là qui te joue comme un ballon partout et n'importe comment? Donne-moi mon argent. Écoute, ils ont prêté la femme pour te donner, d'accord? Donne-moi mon argent, Est-ce ton épouse? C'est bon. Écoute, je n'aime pas ce que tu me fais là. Donne-moi mon argent. Ça me fait plaisir. Non, ça m'énerve. Donne-moi mon argent. Ou
tu vas appeler ton père pour me payer. Mon père? Oui. D'accord, d'accord. Comme tu parles de mon père, laisse-moi te dire ce qui va se passer. Attrape-moi. Hé, ne me fais pas tomber, hein. D'accord, ne me fais pas tomber. Je vais m'assurer que tu... D'accord, le truc est que... Le terrain de mon père, c'est le quai à... transformateur. Près de la maison des crocodiles. Je le vendrai, je te paierai. Je vois que t'es très stupide. Qu'il te sert de garantie. Je vois que t'es vraiment stupide. Où sont les papiers du terrain? Y'a pas de papier. Pas de papier. Donne-moi mon argent, c'est quoi ton problème? Donne-moi mon argent. Je vais te... Madame, tu me tires. Tu me tires. Donne-moi mon argent. Doucement, tu me tires. Je vais te tuer, hein. Je vais te tuer. Donne-moi mon argent. Donne-moi mon argent. Madame. Donne-moi mon argent. Cette femme le malmène. Donne-moi mon argent. Ma femme te voit. Hey! 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 Madame! Donne-le-moi. Madame, je n'aime pas les blagues. Arrête-moi ça. N'importe quoi. Es-tu folle? Es-tu folle? Es-tu folle? Tu frappes mon mari comme un enfant. T'es malade? T'es malade? Où est-ce que tu as pris cela? Es-tu malade? Qui est celle-là? Allez, lève-toi. Retire-toi de là vite. Madame, où étions-nous? Pardon. Pardon pourquoi? Pardon. Tu frappes mon mari pourquoi? Pardon, s'il te plaît. Pardon. Ça veut dire quoi? Je t'en tu supplie. Tu frapper mon mari. Je t'en supplie, pitié. Hey, tais-toi. Ma tête. Ça veut dire quoi? Pardon. Es-tu malade? Pardon. Je vais te cogner, hein? Là. Qui veux-tu cogner? Je vais te donner un coup ici. Ici. Hein? Idiote. Allez, Ka, en avant. Partons. Allez, allez, Ka. Allons-y. On a gagné. T'es toujours là. On a gagné. Le combat est fini. Ma femme a gagné. Ma femme a gagné. Bravo. Ma femme a gagné. C'est moi, Lika. C'est ma femme. Ah, que signifie ceci? Hein? Pourquoi as-tu bloqué la porte? Pourquoi l'as-tu fermée à clé? Allez, Ka, pourquoi cries-tu? Allez, donne-moi la clé de cette porte, c'est qu'elle manque de respect. Tu bloques la porte, si je dois sortir, je ne pourrai pas, pourquoi? D'accord, parce que je ne t'ai pas enchaîné. Va remettre l'argent que tu as pris dans mon sac et ensuite tu retournes te coucher. Quel argent? Hein? Allez, Ka, va remettre l'argent que t'as volé de mon sac. Allez, vite, donne-moi cette clé. Qu'est-ce que ça veut dire? Quel problème as-tu? Hein? Aussi longtemps que tu restes mon mari, tu ne boiras plus. Tu n'iras nulle part. Donc je peux plus aller au travail. Quel travail? Quel travail toi tu as dans cette vie? Allez, Ka, soulard. Te rends-tu compte que tu t'adresses à ton mari?
Marie. Est-ce celui qui a fini le vin de palme, prévu pour le mariage, ou celui-là qui boit et tombe dans les égouts? Tu ne boiras plus tant que tu resteras mon mari. Donne-moi cette clé. Comment puis-je payer la dot complète d'une personne et qu'elle m'insulte? Allez, gars, tout d'abord. Avant tout, tel que t'es debout là, tu n'as pas payé ma dot, ils m'ont pris pour payer la dette qu'ils doivent à ton père. Donc on n'a rien donné pour la cola? Non, vous ne l'avez pas fait. Donne-moi la clé. Sommes-nous en train de faire ce débat? Allez, gars, viens te coucher, tu ne vas nulle part. Donne-moi la clé maintenant. T'as même pas un billet de 1000 en ton nom. Je vais te donner un coup qui va te faire voler. Moi, je ne plaisante pas. Allez, donne-moi gars. La clé. C'est comme si tu veux être enchaîné. Allez, gars, qu'est-ce que tu fais? Où est la clé? Qu'est-ce que tu fais? Je méfie-toi. Méfie-toi. C'est quoi ça? Hein? Que se passe-t-il ici? Qu'est-ce que ça signifie? Hein? Mais c'est quelle sorte de jeu? Donne-le-moi. Te donner quoi? Donne-moi l'argent! Attends, qu'est-ce que c'est? Attends, ne mets pas la main dans ma poche. Ferme ta gueule. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que quoi veut dire? Qui m'a fait ceci? Tu vois cet endroit? Tu resteras ici pour les 10 prochaines années. Plus de sorties pour aller boire. Dit par qui? Dit par ta femme. En tant que ma mère, c'est comme si quelque chose ne cloche pas dans ta tête. Allez, viens enlever cette chaîne sur mon pied tout de suite. À qui parles-tu de la sorte? Est-ce moi? C'est sur moi que tu hausses le ton? Papa. Papa. Si tu veux crier d'aujourd'hui jusqu'à 10 ans, il ne t'entendra pas. Allez, Kat, tu ne sors pas de cette chambre. Accepte juste ta nouvelle réalité. Je vais te tuer, hein. Toi, t'es déjà mort. Allez, viens. Alors, le coup ne t'atteint pas, n'est-ce pas? D'accord. Viens te battre. Viens te battre. C'est comme si c'est pas bien serré. Oh, mon Dieu. Ton Dieu. Dieu. Écoute, si je ne te tue pas. Tais-toi. Si je ne te tue pas. Tue-toi toi-même. Alors c'est pas que moi. Que se passera-t-il? Sache que c'est pas moi. Ouh. Es-tu folle? Viens. Tu m'enchaînes. Suis-je un chien? Tu resteras là-bas. Où vas-tu? Viens, on va discuter. Et Dieu. J'ai bien prévenu papa, hein. J'ai bien dit à papa que je ne voulais pas épouser cette femme. Comment quelqu'un qui se dit épouse mettra une chaîne. Oh Dieu. Oh Dieu, ce vin de palme frais finira. Papa, tu m'entends? Qui est là? Je suis arrivé. Qui est là? Allez, gars. Sors, je suis là. Avec la plus fraîche et superbe qualité. Fraîchement sortie. Belle dame. Je suis moins beau, aisé. L'homme qui livre le vin le plus frais dans cette ville. Le meilleur, il n'y a pas mon deux. Oh, t'es l'épouse d'Aleka? Très belle femme. Hey, fraîche comme mon vin. Donc t'es celui qui vend de la boisson à mon mari? Oui, ton mari, c'est mon client numéro un. Je lui ai même apporté ceci. Très frais, tu peux même goûter, afin que tu te régales comme ton Donc mari. Donc c'est bien toi qui rends mon mari inutile dans ce village. Ah ah,
Que veux-tu dire? Oh, on dit que t'as la tête dure. Renseigne-toi. Je suis pas un enfant. Hein? Hey, non, ça me plaît que tu aies entendu parler de moi. Ça me fait tellement plaisir. As-tu des filles? Ah, j'ai aussi des fils. En fait, mes deux filles sont mariées et mes fils s'en sortent bien en ville. Oui. Alors pourquoi n'as-tu pas conseillé une de tes filles d'épouser Alika? Que Dieu m'en garde. Mes filles adorables, elles ne sont pas pour des soulards. Les soulards sont destinés à des gens comme toi. Que Dieu t'en garde. Qu'as-tu dit? Que Dieu t'en garde. Hein? Donne-moi cette chose. Que Dieu t'en garde. Hein? Ta fille ne peut pas épouser Alika, mais tu peux lui vendre la boisson. Que Dieu t'en garde, t'as dit. Dégage d'ici. Hein? Le chef doit entendre ça. Le chef. Il doit l'entendre. Le chef n'a qu'à l'entendre. Hey, d'ailleurs, venez reviens. Me sauver. Reviens prendre ta boisson. Seigneur. Reviens la chercher. Où est-elle? Madame Gald. Où est ta patronne? Qui est-ce? Qui est-ce comment? Viens ici. Que cette question te frappe à l'œil. Madame, je viens te mettre en garde. Reste loin de mon mari. Tu peux pas t'adresser à moi de cette Pourquoi manière. Pourquoi ne pas m'adresser à toi de cette manière? N'as-tu aucun respect? Respect pour qui? Toi? Éloigne-toi de mon mari. D'accord? Je viens te mettre en garde. Je ne veux plus que tu vendes de la boisson à Alika. Si jamais je retrouve Alika ici en train de boire, je vous chicoterai comme une gamine. Laissez cet homme briller. Laissez-le être utile à son père, à sa communauté et à moi, sa femme. C'est clair? Est-ce de ma faute si ton mari ne se contrôle pas? Est-ce de ma faute? Oh, fantastique! L'heure des questions. Laisse-moi aller chercher du papier pour répondre à ces questions que tu me poses. Tu veux qu'une main te touche? Écoute, s'il te plaît, va parler avec ton mari. Hey, c'est à moi que tu t'adresses? Femme folle. Et toi, va chercher un travail honorable. Oui, madame. D'accord? Va chercher un travail honorable. D'accord, madame. Soulard. Merci. Bande de soulards. N'importe quoi. Alika, le grand Alika, mon client fidèle. Je t'apprécie. C'est moi en personne. Il n'y a pas mon deux dans cette je ville. Je le sais. Oh. Tu le sais, n'est-ce pas? Je le sais. Dieu merci que mon tu le sais. Mon client original. Donne à mes gars une bouteille chacun. J'ai bien dit tout le monde. Le boss. Mais respect. J'aime des boss oui, comme ça. Alika, l'homme lui-même. Attends d'abord. Donc je prends aussi une bouteille. Va prendre ce que tu veux boire. Oh, oui. Tu veux aussi partir ceux qui sont ici, n'est-ce pas? Exactement. Tout le monde doit boire. Va prendre ce que tu veux. Tu bois. J'ai de l'argent. Mes gars, buvez. Personne ne nous arrêtera. Même ma femme. Uche. Cette stupide femme ne peut pas m'arrêter. Je suis inarrêtable. Celle-là, c'est une femme folle. T'es Alika le grand. Il n'y a pas d'homme. L'homme lui-même. Oh. Je suis seul, il n'y a pas mon dieu dans ce je monde. Je sais. Alika le grand. Appelez-moi Alika le grand. Alika le grand. Nul ne peut nous arrêter. Il n'y a pas d'homme. Il n'y a personne. Hein. Même ma sorcière de femme, là, Ute, elle peut pas nous arrêter. Moi, je suis inarrêtable. Je le sais. Inarrêtable. Mais fin, on va chanter inarrêtable. 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 C'est l'argent qui parle. C'est l'argent qui parle. Alors, donne-moi l'argent. Va m'apporter deux bouteilles. Deux bouteilles pour moi. Alika. Alika, ne t'ai-je pas dit de ne plus venir boire ici? Et toi, ne t'ai-je pas dit de ne plus servir à boire à mon mari? Madame, c'est mon argent que tu es en train de mettre dans la poche. Viens le prendre. Donne-le-moi. Viens le prendre. Femme stupide, que feras-tu? Que feras-tu? Je te le demande, que feras-tu? Tu sais, aujourd'hui, moi je vais pas te toucher. Moi je voulais te payer, c'est ma femme je qui a je te toucherai pas. Les gars. Oui, madame. Occupez-vous d'elle. Tabassez-la. Ne touchez pas ma femme. Ne touchez pas ma femme. Attrape-la. Attrape-la. Touchez. Voilà. On ne t'a pas encore touché. T'es déjà elle s'est évanouie. Elle fait quoi? Elle ne bouge plus. Madame,
Elle ne bouge plus. C'est le style de combat de ma femme. Elle ne bouge plus comment? Elle se prépare. Si elle se lève et vous donne un coup. Elle ne bouge plus. Vous verrez qui a qu'allons-nous faire hein? Madame, qu'allons-nous faire? Ma femme te donnera un coup ici. Ici. Regardez, un homme a déjà perdu. Prenons-la. Pourquoi faire? Le deuxième est parti. Elle est morte. Hey, c'est vrai. Hein? Regardez, aidez-moi à me débarrasser d'elle. Si ma femme se réveille, elle va vous tuer. Aidez-moi à me débarrasser d'elle. Elle est hors du bar, s'il vous plaît. Allez, sauve-toi. Regardez, le quatrième est parti. Ah, lui aussi, il s'en va. Regardez, ils savent qu'elle va les tuer. Hein? Allez, lève-toi. Ils sont tous partis. Allez, lève-toi et partons. J'aime cette technique. Voilà que tout le monde est parti, on ne fait plus pour la boisson. Maintenant, tu peux te lever, on va partir. Allez, rentrons chez nous. Ma femme. Lève-toi et partons. Ils sont tous partis. Il n'y a que toi et moi ici dans le bar. Allez, je vais au congélateur. Prendre une bouteille pour boire, parce qu'on ne paiera pas. Réveille-toi, s'il te plaît. Réveille-toi. Papa, ils ont tué ma femme. Papa, ils ont tué ma femme. Papa, ils ont tué ma femme. Qu'est-ce qu'il y a? Papa, qu'est-ce que c'est? Ils ont tué ma femme. C'est quoi? Ils ont tué ma femme. Qu'est-ce qu'elle a? Hein? Elle a quoi? Qu'est-ce qu'elle a? Papa, cette femme du bar, elle a envoyé ses gardes pour l'abattre. Voilà qu'ils me l'ont tué. Je suis perdu. Regarde ce que regarde ce que ton abus de boisson nous a causé. Papa, ta boisson nous a complètement détruits maintenant. Papa, c'est pas le moment de me blâmer. Qu'allons-nous faire? N'est-ce pas qu'elle te défendait quand ceci lui est arrivé? Elle était sortie pour aller te défendre. Voilà ce qui lui est arrivé. Sais-tu les conséquences de ce que tu viens de faire? Si elle meurt, c'est fini pour nous. Tu vois leur village? Nous aurons des problèmes. Dans leur coutume, ils vont t'enterrer aussi. Je te dis, nous sommes morts. Tu seras enterré pour ça. Seigneur. Je suis foutu. Attends. Apporte la clé. Apporte la clé de la voiture. La clé de la voiture. Hôpital. Vas-y, apporte-moi la clé. On va l'amener à l'hôpital. Oui. Elle respire. Où es-tu? Désolé. Merci. Comment te sens-tu maintenant? Ça va. Je suis désolé pour ce qui s'est passé. Que ferais-je si je t'avais perdu? J'avais si peur. Je te remercie parce que... Heureusement, j'ai pas perdu ma vie. Et je remercie Dieu que tu étais là ce jour pour m'amener à l'hôpital à temps. Merci. Je sais que je suis à la base de ce qui t'est arrivé. Et je ne voudrais plus jamais que cet incident se reproduise. Alors j'ai décidé d'arrêter de boire
je ferai tout mon possible de m'abstenir de toute forme d'alcool. Alika, soyons juste sérieux. Non, non, regarde-moi. Je suis très sérieux. En fait, j'ai jamais été aussi sérieux toute ma vie. T'es sûr? Je suis très sûr. Regarde-moi. J'arrêterai de boire. Je vais devenir un homme meilleur pour toi. Pour nous. Toi? Oui. Je promets. Et tu devrais aussi me promettre d'arrêter de te battre. On peut bien dialoguer pour résoudre nos problèmes et non se battre. D'accord. Si tu arrives à faire 10 jours sans toucher à l'alcool, je ferai 10 jours sans me battre. D'accord. C'est un défi. Je promets. 10 jours sans alcool. Je le ferai pour toi. 10 jours. Écoute, je sais que ce serait dur. Mais je te le promets ici et maintenant que je m'abstiendrai pour 10 jours. Je le ferai pour toi. Pas d'alcool. Pas de combat. Je le promets. Pas de combat. Je te le promets. Pas d'alcool. You're the one who makes me whole. Without you, I'd be lost. I'm so grateful for the love we share. With you, I have no tears. It's just you. Hey. Désolé. Courage. Oh, ça va aller. Courage. Alika. Papa. Qu'est-ce qu'il a? Papa, je sais pas ce qui lui arrive. Hein? Il vomit depuis le matin. Mais il n'a rien mangé. Hein? Allez, Ka. Papa, qu'allons-nous faire maintenant? C'est le syndrome du sevrage. Sevrage? Qu'est-ce que c'est? Quand quelqu'un cesse une habitude soudainement. C'est ce qui lui arrive souvent. Il vomit incessamment. Hein? Oui, c'est parce qu'il ne prend plus de l'alcool. C'est ce qui lui...
arrive maintenant. Mais il n'y a pas de remède, qu'allons-nous faire maintenant? Si tu veux qu'il se remette maintenant, donne-lui juste de l'alcool. Pour qu'il prenne et tu verras. Pas d'alcool. T'es sûr que tu pourras t'en sortir? Il va s'en sortir, papa. Il ne le prendra pas. Il ira bien. Everything else fades away. It's just you and me. In this moment we stand, all of my fears they disappear. When I have... Aleka, Aleka Solar, où es-tu? Aleka, viens ici. Que se passe-t-il? Pourquoi tu cries de la sorte? T'es fou. Aleka, je dis bien que t'es fou. Où est mon argent? Quel argent? Aleka, où est mon argent? Quel argent? Tu me poses des questions. Dans mon carnet de crédit, t'es mon premier débiteur. Pourquoi? Et je dois prendre mon argent ici maintenant. Pourquoi que... Tais-toi, qui t'a appelé? Les hommes se parlent et tu t'ingères. Pourquoi? Tu viens mêler ta sale gueule. Tu crois que j'ai ce temps? Je suis Monsieur Eze. Aleka, où est mon argent? Non. Aleka, dis-lui de ne pas te toucher. Allez, calme-toi. Écoute, peux-tu... Mon argent, c'est 9 000. Peux-tu te calmer pour qu'on se comprenne? Écoute, tu ne peux pas venir dans notre maison et commencer par crier de la sorte. Attends, Aleka. Mon argent, c'est 9 000. Puisque tu n'achètes plus mon monsieur, vin, laisse-moi. Donne-moi mon argent. Monsieur... Je veux mon argent tout de suite. Combien il vous doit? Ne me provoque combien pas. Combien il vous doit? C'est ce que je demande. Il me doit 9 000. Donnez-le-moi tout de suite. Je vais te le donner. Si tu rentres chez toi, remercie ton Dieu. Je vais partir avec mon argent. Si tu vas chez toi, je saurai que c'est fini. Pardon, prends ton argent et va-t'en. Rentre chez toi et remercie ton Dieu. Je sais très bien ce que je te dis. Ta chance. Tu sais, c'est toi qui me fais pitié. Je t'aurais battu ici. Pardon, rentre chez toi. Ta chance, t'en fais pas. Égare, tu dois aux gens et t'es en forme. Partez. Il a chance. Allons-y. N'importe quoi. J'allais. T'en fais pas. C'est bon. Je sais que ta température peut bouillir l'eau. Mais ça va. Pourquoi as-tu mangé le dernier morceau de la viande? T'as quel problème? Vas-y, prendre la viande, non. Allez, prendre quelle viande? C'était le dernier morceau que j'ai mis là. T'as mangé le tien et le mien, pourquoi? Et c'est pour ça que tu cries, pourquoi tu fais ton... Pourquoi ne pas crier? Tu veux me taper? À cause de la viande? Allez, tape-moi. Tape-moi et je vais sortir boire tout de suite. Je te dis d'aller chercher la viande à l'intérieur, tu dis qu'il n'y en a plus. S'il n'y en a plus, donc c'est pour ça que tu vas me battre. Ne commence pas, n'y pense même pas. Tu fais ton bras comme si tu veux me battre. D'accord, c'est bon. Pour la nuit, tu prendras ma viande. J'espère que ça te va. Qui va cuisiner la nuit? Tu vas pas cuisiner le soir? Je ne pourrai pas, hein. Ces derniers temps, je mange beaucoup, hein. Donc je pourrais... C'est vrai, j'ignore pourquoi. J'en veux pas. Uche. Aleka, qui a-t-il? Uche. Aleka, qui a-t-il? Uche. Qui a-t-il? Uche, c'est comme de la magie. Hein? De quoi s'agit-il? Aujourd'hui, c'est le 10e jour. Et j'ai pas goûté à l'alcool. Oui, je suis très contente pour Aleka toi. Aleka n'a goûté même une goutte d'alcool. Je suis très contente pour toi. Hein? J'ai réussi. Aleka, t'es en forme. Donc j'ai réussi à le faire. Oui, tu l'as fait. Je suis très fière de toi.
Et même toi. Moi quoi? Je suis aussi fier de toi. Hein? Jusqu'aujourd'hui, tu ne t'es plus battu. Ah! Si tu te comportes bien, il n'y aura pas de raison de me battre. Oui, on bien a sûr. Réussi. Je suis très content. C'est moi ça? C'est bien toi. Aleka, passé 10 jours sans toucher la boisson. Tu l'as même fait. Même si c'est un... Ah ah, papa. Oh papa. Impressionnant. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi tu me regardes comme ça? Chérie. Tu sais, il y a plus de 10 jours qu'on a eu cet accord que je devrais arrêter de boire. Ça fait plus de 30 jours maintenant et je n'ai pas touché une goutte d'alcool. Jusqu'à quand deviendras-tu ma femme? Aleka, cela ne suffit pas. Je veux dire, tu es supposé me... T'es supposé m'acheter de bonnes choses. Et puis... Tu sais... Juste... D'accord. Ça concerne les cadeaux? Ça concerne pas les cadeaux. C'est plutôt que... Je souhaite te voir faire de beaux gestes envers moi. Là n'est pas un problème. Tu en auras marre des cadeaux, hein? Tu ne me crois pas? Tu en auras marre. Sois prête, c'est tout. Chaque matin à ton réveil, tu verras un cadeau près de toi. Non, c'est pas ce que je dis. Ici et là. Hein? C'est ce que tu veux? Non, oui. Je t'aime. Moi aussi. Qu'est-ce que j'aurais pu faire sans toi? Peut-être que tu serais dans un bar. Ou peut-être dans un égout. Non, que Dieu nous en épargne. Bien si. Et toi, quand tu souris, je deviens fou. Je l'adore. Aleka. Te voilà assise tellement magnifique. ma belle épouse. Merci. Aleka, laisse-moi tranquille. J'ai acheté ça pour toi. Pour moi? Hey. J'espère que ça te plaît. Oui, ça me plaît. T'en fais pas. Je t'enverrai des cadeaux jusqu'à ce que tu dises assez. Merci. Je t'en prie. Ma bien-aimée. Il y a quelque chose que je dois te dire. D'accord. Vas-y. Je n'ai pas connu d'homme. Vraiment? Waouh! C'est incroyable. D'accord, c'est pas grave. D'accord? Juste, prends ton temps. Quand tu te sentiras prête, dis-le-moi. Je suis prête.
there, rubbing smiles on your face, bringing tears of joy down. T'es la meilleure chose qui m'est arrivée dans ce monde. T'es aussi la meilleure chose qui me soit arrivée dans ce monde. And I love you today, more than I did yesterday. Oh, this kind of loving is so overwhelming. It's deeper in my body and running through my veins. This can only be true love. And I love you today, more than I did yesterday. Hey, vraiment, ma fille bien-aimée. Hey. Oh, quelle joie, mon beau. Hey, papa. Ouais, maman. Maman, elle est allée au marché. Oh. Elle revient d'un peu. D'accord. Vous la verrez avant de partir. Papa, on a apporté des choses pour vous. De la part de mon mari. C'est dans le capot. Vraiment? Oui. Vous êtes dérangé, pourquoi? C'est bon. Merci beaucoup. Qu'est-ce que je peux vous offrir? Non, pas la non, peine. Non, ça va. Non, vous ne pouvez quand même pas dire cela. Allez, papa, ici c'est aussi ma maison, ou bien? Si jamais je veux quelque chose, je pourrais aller le prendre facilement moi-même. Ah, ça c'est vrai, t'as raison. Papa, tu vois, je n'ai en fait pas eu le temps de m'exprimer librement. Tu vois, c'est dommage, la dernière fois que je suis venu pour payer la dot de ma femme, ce n'était pas... Les choses ne se sont pas passées telles qu'il le fallait. Car j'étais ivre. J'étais si embarrassant, je sais pas comment l'expliquer. Et là, je voudrais vous présenter mes excuses pour la dernière fois que j'étais venu payer la dot de ma femme. Et c'est tellement déshonorable. Je veux dire, totalement déshonorable pour les deux familles. Mais gloire à Dieu, c'est rentré dans le passé. Alors, secondo, je vous dis merci. Je vous remercie, maman et toi. Parce que sans vous deux, je ne serais pas capable d'épouser une très belle femme comme celle-ci. Oh. Une femme travailleuse. D'accord? Donc, grand merci à vous. Merci infiniment. Parce que sans elle, je ne serais pas un homme changé aujourd'hui. Ouais. Sans maman et toi, je ne verrai jamais une très belle femme comme celle-ci à épouser. Hein? Donc merci à vous du fond de mon cœur. Une autre chose qui nous amène. Tu sais, c'est vrai que mon père m'a forcé à épouser votre fille à cause d'une dette que vous lui devez. D'accord. Mais ce n'était pas juste. Si tu me le demandes, ma femme ici vaut plus que ce que l'argent peut acheter. D'accord? Alors, je voudrais vous supplier. Et je me suis arrangé avec ma famille. Je voudrais revenir faire les choses comme ça se doit. Payer sa dot correctement. Pas à cause de dette ou de quoi que ce soit. Vraiment. Elle mérite mieux que ça. D'accord? Je voudrais spécialement revenir faire les choses normalement. Oh. Pas à cause de dette ou de quoi que ce soit. Donc pardon. Dites à vos anciens que je reviendrai faire les choses telles qu'il le faut. Non, je ne peux pas épouser une si belle femme à cause d'une quelconque dette. Quelqu'une comme celle-ci? Non, jamais. Alors, pardon, discute avec eux. Dites-moi ce que vous avez conclu et quand vous voudriez que je vienne. Je viendrai faire les choses correctement. Pardon, hein? Mon beau, merci, hein? T'as bien parlé. Merci. Je suis très très heureux. Oui, je suis heureux. Je suis heureux parce que...
Cette union n'a apporté que de changements positifs. Regardez, ma fille Uche. Regardez-la. Et je te remercie encore d'avoir pris soin de ta femme et l'a transformée en une meilleure personne. Voilà. Papa, elle a fait de moi aussi une meilleure personne. L'homme que tu vois ici, c'est juste à cause de ma femme. Regarde-moi, si c'est pas à cause de cette femme ici. Hein? Est-ce que quelqu'un peut-il vraiment vous voir tous les deux sans aimer le mariage, Uche? Papa. Uche qui se bat tous les jours. Oui, mais c'est du passé, c'est rentré dans le passé. Amen. N'est-ce pas, ma bien-aimée?